Alors, t'es la fille de Maurice Nadeau, qui est quand même le directeur de la Quinzaine littéraire, qui est un lettré, quoi. Oui. Ta mère était prof. Oui. Il y avait 5000 livres à la maison. Facilement, oui. Ils sont pas un peu déçus, tes parents, que tu fasses l'hystérique de service dans les collards au chaud? Non, je crois pas. Non? Non. Enfin, ils sont contents que je sois bien, alors bon. Et toi, par rapport à ce que tu ambitionnais quand tu avais 20 ans, t'es pas déçu? Oh, c'est vache. Ton rêve quand tu étais en France, c'était quoi? De pas mourir trop tôt. Ça va alors? Oui. C'est vache aussi, ça. Tu voulais ressembler à qui quand tu étais petite? Comme star? Comme star? À Marlon Brando, mais. Ah bon? Ouais. T'avais pas un rêve de femme, quoi? Non. Ah bon? Ouais. Tu rêvais de ressembler à Marlon Brando et tu t'imites Alain Decaux? Oui, évidemment. Ton type d'homme, c'est quoi? À part Philippe Bruno, ton mari? Bien sûr. Bien évidemment. Marlon Brando. Marlon Brando, oui. Toujours. Qu'est-ce que c'est qui te plaît le plus en toi? Ce qui me déplaît le moins. Si tu veux. Sens de l'humour. Ouais. Et ce qui te plaît le moins, mais vraiment le truc que tu détestes chez toi, c'est quoi? La lâcheté. Tu te trouves lâche? Oui. T'es pudique comme fille? Oui. C'est-à-dire, tu te promènes jamais toute nue à la maison, quoi? Si, l'été. L'été? Oui. Et parce que je suis frileuse aussi. Et lui? Pas tellement, non. Non, pas tellement. Non. T'es le genre à éteindre la lumière? Ça dépend. Tu dors toute nue? Non, je suis frileuse. T'es jalouse comme fille? Non. Ah bon? Non. C'est-à-dire, tu peux voir ton Jules avec d'autres PV, ça te fait pas chier, quoi? Bah, j'aime mieux pas trop le voir, mais ouais. Bon. Toi, t'es fidèle? Oui. Très fidèle? Oui. Même si un jour, je sais pas, il est parti faire un film à l'autre bout du monde, tu tombes sur un mec hyper craquant. Oh, bah c'est pas une religion, je veux dire, ouais, mais bon. Ça peut arriver quand même. Si, comme ça, personne n'en sait rien. Oui, voilà. Donc t'es pas vraiment fidèle? Ben non, enfin c'est pas une volonté absolue, mais il se trouve que oui quand même. Ouais. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré pour un garçon? Je crois pas que ça me soit jamais arrivé. T'as jamais pleuré pour un garçon? Non. Si Bruno te quittait, tu pleurerais? Je sais pas, c'est pas mon mode d'expression. C'est quoi ton mode d'expression? Le silence. Aïe, 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 c'est pire que tout.